souviens pas. Si, si. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président de la FNSEA, cher Arnaud, Monsieur le Préfet de Région, Préfet du Nord, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, Monsieur le Président de la Région, Monsieur le Président du Conseil départemental, représenté aujourd'hui par Patrick Valois, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues congressistes, chers amis, bienvenue chez les Ch'tis. C'est une première dans le réseau que deux départements s'unissent pour recevoir le congrès de la FNSEA. C'est une fierté pour nos fédés d'accueillir ce rendez-vous statutaire de travail, mais que nous voulons festif. Les Hauts-de-France comptent 6 millions d'habitants. C'est une région plus peuplée que certains pays européens. Un Français sur 11 réside dans les Hauts-de-France. Vous l'aurez compris, nous sommes situés au cœur de l'Europe avec 5 capitales européennes dans un rayon de 300 kilomètres. Comme vous avez pu le voir dans le film qui vient de vous être présenté, vous êtes dans des départements dans lesquels l'agriculture a un poids très important dans l'économie et la vitalité du territoire. En Nord-Pas-de-Calais, on a toujours donné la priorité au renouvellement des générations en gardant des actifs agricoles en nombre avec des activités agricoles diversifiées. La défense de l'intérêt de toutes les agricultrices, de tous les agriculteurs, toutes les agricultures et de toutes les productions est dans notre ADN. Les premiers syndicats locaux ont été créés dans le Nord en 1886 à Bourbourg, à quelques kilomètres de Dunkerque, et la Fédération en 1902. Pour le Pas-de-Calais, les premiers syndicats locaux ont été créés en 1897 à Losse-en-Gohelle et la Fédération en 1919. Le département du Nord compte 371 700 hectares de SAU, soit 61% du territoire, dont 48% de terres arables et 13% de surface toujours en herbe, plus 55 000 hectares de bois, soit 10% du taux de boisement. Le département du Pas-de-Calais compte 358 100 hectares de SAU, soit 69% du territoire, dont 57% de terres arables et 11% de surface toujours en herbe, et 55 000 hectares de bois, soit 8% du taux de boisement. Nos exploitations sont de petite taille que la moyenne régionale, 61 hectares de SAU moyenne par exploitation dans le Nord, 80 dans le Pas-de-Calais, contre 91 hectares par exploitation de moyenne en région Hauts-de-France. Le Nord-Pas-de-Calais représente 49% des exploitations des Hauts-de-France, mais seulement 38% de la SAU. La SAU exploitée essentiellement en faire-valoir indirect à hauteur de 80%. Vous comprenez que c'est un sujet préoccupant en Nord-Pas-de-Calais compte tenu de la forte pression foncière liée tout d'abord à l'urbanisation. À titre d'exemple, sans compter l'Île-de-France, le Nord et le Pas-de-Calais sont respectivement premier et deuxième département de France les plus artificialisés, soit 22% de la surface pour le Nord et 15% pour le Pas-de-Calais, contre 12% en moyenne régionale. Deuxièmement, à notre situation géographique et la proximité de nos territoires de la Belgique, pays avec lequel le département du Nord est limitrophe de Bredune à côté, à Anor, tandis que le département du Pas-de-Calais est frontalier avec le Royaume-Uni de Calais à Boulogne-sur-Mer. Le prix d'un hectare de terre occupé est d'environ 6 000 euros de l'hectare et il faut compter 16 000 euros pour de la terre libre contre 45 000 euros en Belgique et 68 000 euros aux Pays-Bas.
Vous comprendrez, au passage, notre attachement au barème prix de terres libres et occupées. Notre situation géographique favorise la présence de groupes d'envergure internationale, tels Sodial, Nestlé, Bigard, Coca, McCain, Danone, Häagen-Dazs, Moy Park et Soufflé. Et on pourrait rajouter, pas très loin de nos frontières, dans le Pas-de-Calais, pardon, Bonduel, Le Safre, Roquette et le groupe Holder. Si on étend un peu le périmètre au-delà de notre région, on peut y rajouter Tereos. Pour ne citer que quelques chiffres par rapport à la production nationale, 15% des betteraves industrielles sont produites en Nord-Pas-de-Calais, 18% des plants de pommes de terre, 34% des pommes de terre, 30% des petits pois, 19% des oignons et 13% des haricots verts. Et la liste peut continuer. C'est ainsi que le Nord-Pas-de-Calais sont dans les 5 premiers départements français pour la pomme de terre, haricots frais, petits pois, chicorée café, haricots secs, choux de Bruxelles, l'endive, production auxquelles il faut ajouter le houblon, les champignons et le poireau dans le nord, et pour le Pas-de-Calais, les salsifis, cresson, céleri rave, épinards, betteraves et navets potagers, choux à choucroute et betteraves industrielles. La liste est longue, n'est-ce pas ? L'élevage est bien ancré dans le paysage du nord et du Pas-de-Calais. Nos systèmes polyculture-élevage représentent 70% des exploitations. C'est un modèle résilient pour relever le défi de la transition écologique pour nos structures de taille moyenne. On souhaite avoir des programmes d'investissement pour maintenir des outils rentables, vivables et transmissibles. Le regroupement des ateliers ne doit pas être tabou. On constate trop souvent dans des sociétés parents-enfants qu'au départ en retraite des parents, à défaut d'arriver de salariés ou associés, c'est l'élevage qui est sacrifié. Le regroupement des structures facilite l'acceptation des contraintes liées à l'élevage. L'élevage bovin est fortement présent dans la petite région de la Thiérache et du Bolonais, sont à l'extrémité de nos deux départements. Terroir plus herbagé, près de 70% des vaches présentes dans le Nord et le Pas-de-Calais sont laitières, soit 180 000 vaches. Le Nord-Pas-de-Calais regroupe par ailleurs 55% des ateliers bovins-viande des Hauts-de-France et l'autogramme jusqu'à 80% pour les ateliers porcins pour 500 000 porcs produits et 70% pour les ateliers de volailles, près de 30 millions de poulets de chair. Les élevages ovins sont répartis plus uniformément sur le territoire régional, tout compris entre 23% dans l'Aisne et 17% dans l'Oise. J'espère que je ne vous ai pas trop abreuvé de chiffres, mais c'était important de les dire. J'ai compris. Lucie, je partage avec toi. Alors bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous avez tous pris des notes. Hein. Il y avait des chiffres très intéressants en fait. Il faut devenir incollable en Nord-Pas-de-Calais. C'est l'objectif des 3 jours. On fera une évaluation en fin de congrès, si tu veux bien, Arnaud. Vous l'aurez constaté, notre agriculture se distingue par sa diversité de production. On peut d'ailleurs y ajouter l'horticulture, très présente autour de Dunkerque, et l'arboriculture. C'est ensemble que nous portons les dossiers agricoles et c'est ensemble que nous investissons dans la défense collective. C'est ce qui fait notre force et notre crédibilité. Malgré une proportion grandissante des productions végétales, nous devons investir sur l'attractivité des filières animales pour enrayer le déclin. Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté, nous devons nous adapter, innover, ne rien lâcher pour garder notre compétitivité. Produire pour nourrir doit rester une priorité. Nous avons une agriculture productive et elle doit le rester. Il n'est donc pas acceptable qu'au motif d'interdiction et d'homologation de certains produits phytosanitaires, des productions phares de notre département, de nos départements, se retrouvent sans solution. Nous ne prendrons que 3 exemples. Je compte sur vous pour les retenir.
Les deux premiers, l'endive et la chicorée, que vous avez eu l'occasion de déguster à plusieurs reprises, en fait, hein, depuis le début du congrès. Deux productions emblématiques de notre région. Nous avons 300 agriculteurs, on est reparti dans les chiffres là, qui produisent de l'endive pour une superficie de 8000 hectares. Et 300 agriculteurs qui cultivent de la chicorée pour une surface de 2000 hectares. Ces cultures contribuent à une économie locale importante, notamment dans les zones plus rurales. Elles représentent 7000 emplois et un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour l'endive, quatrième légume frais le plus consommé en hiver. Ces deux productions s'exportent hors de nos frontières, alors que 40% des légumes consommés en France proviennent de l'import. L'endive présente dans les rayons est française à près de 100%. Je ne vous cache pas l'inquiétude des producteurs d'endive et de chicorée qui n'ont aucune visibilité sur la capacité à produire après 2024. En cause, les retraits imminents de molécules spécifiques à ces productions. Je pense par exemple au Bonalan. Ce n'est pas moins de 3 molécules qui sont vouées à disparaître et pour lesquelles il n'y a à ce jour pas de solution. Pour la chicorée, sans matière première, c'est la fermeture des sécheries et des torréfactions. La fin d'une marque emblématique comme la chicorée Leroux qui symbolise ce produit depuis plus de 160 ans. Alors, nous demandons au gouvernement un engagement pour déroger à l'interdiction et une aide financière pour accélérer les recherches afin de trouver une alternative. Il en va d'une partie de notre souveraineté alimentaire de notre pays, de la sauvegarde de notre patrimoine agricole et gastronomique, de la vitalité de l'économie régionale, du rayonnement de la France à l'exportation. Vous l'aurez compris, il faut que l'État respecte son engagement sur le « pas d'interdiction sans solution ». C'est bien, le temps est réduit à zéro. Le troisième exemple, la filière plantes-pommes de terre. Sans pommes de terre, pas de frites. Vous aimez les frites ? Ah. La France produit 600 000 tonnes de plants de pommes de terre, dont 200 000, soit un tiers, sont exportés. C'est une filière dans la tourmente. 17% de perte de surface en 2 ans pour le comité Nord Plants de pommes de terre, qui représente à lui seul 70% de la production française. Il manque, pour le printemps 2024, 100 000 tonnes de plants, suite à une baisse de surface de 11% en 2023 et un manque de tubérisation avec des calibres plus élevés. C'est le moment de profiter des frites, hein. Vous l'avez vu, l'année prochaine, ça sera plus compliqué. Mais pourquoi ce découragement des producteurs de plants, me diriez-vous ? Principalement les impasses techniques, avec la disparition de matières actives, notamment insecticides. La pression est de plus en plus importante, une partie due au changement climatique. Et oui, il y en a aussi dans le Nord. Mais surtout, à cause de la diminution, voire l'absence de moyens de lutte en pommes de terre, et sur d'autres cultures comme la betterave, avec les contraintes sur l'usage des néonicotinoïdes, les pucerons sont attirés sur les betteraves et finissent par migrer ensuite sur les parcelles en plants de pommes de terre. Les virus prolifèrent de cette manière. Le retrait du TPK va impacter fortement la filière. En second lieu, toujours sur la filière plants de pommes de terre, les difficultés économiques. Les producteurs de plants se détournent de cette production au profit de la pomme de terre consommation, moins risquée économiquement et moins coûteuse à produire. En effet, les attaques de pucerons ont entraîné des déclassements et refus de l'eau. 3,5% de refus et 33% de déclassements pour les producteurs du Comité Nord. C'est donc une perte directe pour les producteurs avec des charges financières
qui, parallèlement à cela, ne cesse d'augmenter. Coût de la main-d'œuvre, des investissements, sans oublier l'augmentation du coût de l'électricité, qui a fortement impacté la filière. Il y a aussi la rémunération des producteurs de plants, jusqu'à 3 fois moins que la valeur de ce produit payé par l'utilisateur final, l'agriculteur. La question se pose de savoir où va cette marge. Et là encore, il est question de répartition de la marge entre les différents acteurs de la filière. La transparence s'impose. Parallèlement à cela, ce n'est pas moins de 3 usines de transformation de pommes de terre qui sont venues s'implanter directement en Hauts-de-France. Mais pour avoir des pommes de terre à transformer, il faut de la matière première et donc du plan. Il est inconcevable de laisser partir notre savoir-faire et d'importer du plan de pommes de terre qui n'est pas produit avec les mêmes normes que sur le sol français. Nous réaffirmons le principe « pas d'interdiction sans solution » et les dérogations qui sont activées dans les pays voisins, tels que la Belgique, doivent être activées en France. Je ne peux bien évidemment pas parler de l'endive et du plan de pommes de terre sans évoquer le sujet de l'électricité, qui a par ailleurs aussi fortement impacté les producteurs de porc dans nos départements. En effet, la flambée des coûts de l'énergie l'an dernier, avec la flambée des prix de l'énergie l'an dernier, excusez-moi, certains producteurs qui étaient en renouvellement de contrat ont vu leur facture d'électricité augmenter de manière exponentielle. Et je sais qu'il y en a dans la salle. L'an dernier, 2 dispositifs avaient été activés par l'État pour réduire les factures. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Si vous le permettez, je vais vous donner un exemple concret d'un producteur d'endives de mon département. Je vais vous redonner encore quelques chiffres, hein, je suis désolée. En 2021, sa facture mensuelle était de 151 000 euros. Et en 2024, celle-ci s'élèvera à 350 000 euros sans aide de l'État. Le coût a donc plus que doublé. Il est donc urgent d'agir. On sait qu'un contrat ne peut pas être cassé. Ça a toujours été notre devise. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Nous demandons donc à ce que celui-ci soit renégocié. Notre congrès se déroule cette année à Dunkerque, sur le territoire des Ouatringues, qui s'étend du Dunkerquois au Calaisis et qui rentre à l'intérieur des terres avec le marais au Domarois. Il s'agit d'un territoire de polder et donc situé en dessous du niveau de la mer. Cette zone est constituée d'un réseau de fossés et de canaux de 1500 km et qui représente 100 000 hectares et 430 000 habitants. Mais savez-vous comment ça fonctionne ? Des portes sont installées à l'embouchure, donc au niveau de la mer. Lorsque la marée est basse, l'eau présente à l'intérieur des terres s'évacue de manière gravitaire vers la mer. À marée haute, on ferme les portes afin d'éviter que l'eau de la mer ne rentre à l'intérieur des terres. En cas de surplus d'eau à marée haute, ce sont alors des pompes qui prennent le relais pour évacuer les excès d'eau à la mer ou préserver l'eau douce. Une gestion différenciée suivant les saisons et les marées. Le curage doit être une priorité. Le curage n'est pas un gros mot. Depuis la création des Ouatringues, il y a eu l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols. Il y a donc un travail à mener sur le redimensionnement des pompes, l'évacuation de l'eau à la mer. Des investissements importants sont à réaliser pour moderniser les installations dans l'objectif de répondre aux enjeux de demain. Il est aussi nécessaire de simplifier la gouvernance, car entre la clé, le papy, le sage, le sdage, la compétence GEMAPI, les EPCI, etc., c'est un peu l'usine à gaz. Il nous faut un fonctionnement plus simple, comme c'est le cas aux Pays-Bas, en n'oubliant pas d'associer les agriculteurs, qui sont des acteurs incontournables de leur territoire. Vous serez certainement surpris. Bien que nous soyons en Hauts-de-France,
Nous sommes aussi confrontés à la sécheresse. Ce fut le cas en 2022. L'eau, nous en avons eu cette année en excès, on en a ras-le-bol, mais plutôt que de nous l'envoyer à la mer, nous pourrions la stocker pour pouvoir la réutiliser l'été. Les travaux sont en cours sur le sujet, ce qui nous permettra de mieux appréhender l'avenir. Alors, on va parler gastronomie, donc je vais laisser la parole à Laurent. Merci. Comme si. L'eau, nous en avons tous besoin, je vous l'accorde. Parfois, trop, c'est trop. Dans le Nord-Pas-de-Calais, mais le Nord-Pas-de-Calais possède un savoir-faire exceptionnel composé à 90% d'eau, auquel on y ajoute de l'orge, du houblon, de la levure pour obtenir la bière. Nous sommes le deuxième territoire brassicole de France. Et cela participe largement à la culture collective nordiste. Plus de 40 brasseries pour 35% du volume national et de nombreux distributeurs spécialisés, passionnés, offrent une grande diversité de bières uniques par leur goût et leur typicité. Souvent utilisées en cuisine, comme pour le coq à la bière, mais les carbonates flamandes que vous avez dégustées hier soir, la gastronomie du Nord-Pas-de-Calais est une cuisine avec de nombreuses spécialités. Notre territoire fut de tout temps au carrefour de l'Europe et on retrouve dans nos spécialités les traces de notre histoire avec, par exemple, des plats d'origine polonaise dans le bassin minier. Le littoral abrite le plus grand port de pêche de France, Boulogne, d'où la présence d'entreprises, de salaisons et de fumaisons du poisson. Nos origines sous signe de qualité sont nombreuses, l'AOP Maroilles, l'IGP Flandre, l'IGP Genièvre, Flandre-Artois, ail fumé d'Arleux, lingots du Nord, pommes de terre de Merville, auxquelles viennent s'ajouter les productions sous label, endives de pleine terre, œufs, lingots du Nord et flageolets verts, pommes de terre de Merville, déjà dit, produits de la mer. Voilà. Le Nord-Pas-de-Calais s'est doté d'une marque collective régionale, Saveur en Or, afin de mettre en valeur la richesse et le savoir-faire agroalimentaire régional. Les entreprises adhérentes se rejoignent dans des valeurs communes, la qualité de leurs produits, l'utilisation des matières premières régionales et la préservation des emplois locaux. C'est bientôt fini, Arnaud. Mais tu me perturbes, là. Vous savez, non mais c'est tout. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous les applaudissements, mais deux départements, à partir du moment qu'on fait ce constat, eh bien, on demande deux fois plus de temps de parole. C'est normal, c'est normal. Non, mais j'en étais sur la valorisation de Saveur en Or, qui est quand même un défi pour nos entreprises et nos agriculteurs. Les plats typiques, et puis on va aller vite, mais pour pas tous les lister, on va arrêter là. Allez, montrez-nous comment vous... Sauf que... Monsieur, bien, montrez-nous comment vous allez vite, là. Pardon ? Montrez-nous comment vous allez vite. Voilà. Regardez cette... Voilà. Tu mets la pression, là. Ouais. Alors, il est temps pour nous de conclure et remercier Caroline Delpierre-Pia, qui a piloté l'organisation de cet événement avec son équipe. Merci à tous et profitez bien de votre séjour sur la côte et de notre convivialité et gastronomie. Merci. Allez, vous installez. Bon, on a pas compris qu'on pouvait très bien vivre ici. Bravo.